Watson. Drôle de Ducasse cette année à Hatch. Tout avait pourtant bien commencé. Gouyas et Madame Goliath s'embrassaient amoureusement en se rendant aux vêpres à l'issue desquelles on devait les unir officiellement. Mais là, c'est la pluie qui les a séparés et obligés à se protéger des intempéries. Et puis vers 16h30 cet après-midi, c'est l'incendie d'une baraque foraine qui provoque un début de panique. Ce serait une ampoule qui aurait embrasé une bonne centaine de pluches. Heureusement, les forces de l'ordre et les pompiers évacuèrent rapidement les environs du sinistre avant de pouvoir le maîtriser. Heureusement surtout, et c'est un miracle, il n'y a pas eu de victimes. Les géants devaient sans doute veiller sur la foule, car on a véritablement frôlé la catastrophe. Le feu aurait en effet pu transformer le champ de poire en véritable brasier à une heure où des centaines de personnes attendaient le combat entre David et Goliath. Plus de peur que de mal, donc. Mais tristesse sur le visage de beaucoup d'Atois, d'autant que le petit David n'a pas pu terrasser le géant cette année. Tout cela n'a quand même pas empêché la fête de reprendre ses droits.